Salut, salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour commencer la quête du nouvel dossier donc qui est déjà là. Donc du coup là, ils nous disent que l'avènement se termine bientôt et donc faudra finir les quêtes et les triomphes avant qu'ils ne disparaissent. Par contre, pour la quête du pistolet, je sais pas trop encore où il faut aller. Je pense que c'est peut-être du cadran solaire. D'obtenir une famille supplémentaire. Cadran solaire épique. Obtenez des récompenses de prestige en vous rendant dans le cadran solaire épique et en relevant de plus grands défis. Une nouvelle armature du temps perdu. Une nouvelle armature du temps perdu t'a paru dans le cadran solaire. Entrez dans le cadran et éliminez des champions afin de distraire l'armature vers une ligne temporelle actuelle. Ceux qui accomplissent cela auront accès à une nouvelle quête exotique. Donc après, bon, il y a de la gloire. Ok, donc du coup, alors, du coup, là, on va commencer. Donc, on va être avec plusieurs personnes, je pense, donc on verra bien. Et du coup, je vais reprendre dès qu'on commence. Salut, salut! Donc, aujourd'hui, on se retrouve donc sur Destiny 2. Donc, pour la suite du premier truc, donc là, on est en train de faire. L'arme, donc la nouvelle arme exotique. Je suis avec plusieurs personnes, donc du coup, vous attendrez pas parce que du coup, pour l'instant, je vais couper le son. Donc il y a Méo, Néophysite, User, Seth et non, chinois. Je crois que c'est Morpheus. Il me semble que c'est Morpheus. Donc du coup, donc là, en 950, vous avez Extinction. Donc si toute l'équipe meurt, tout le monde retourne en orbite. Puis bon, il y a 2-3 trucs en plus, mais bon, après, c'est pas. Normalement, ça devrait être pas si difficile de ça, d'après ce que j'ai entendu. Il faudra absolument donc de l'implacable, donc des trucs anti-barrière là, que vous avez, donc des munitions anti-barrière. Il faudra ça et. Les rangs Je pense brisés de la après Légion Rouge tentent de renverser la fortune. du lourd, Ils donc se moi j'ai sont pris emparés du marteleur, cadran donc après solaire afin de on va voir réécrire une nouvelle histoire à leur comment ça fait quoi. avantage. Donc du coup, Veillez à ce qu'ils échouent. donc là moi je commence déjà à marteleur. Ah non, on peut pas changer ça. Mais je pense que ça devrait aller assez vite. On verra bien. Alors, comme on dit, moi je vois jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on verra bien. On va voir comment ça va faire. J'ai fait la première étape. Gardien à terre. Bon, du coup, on va se retrouver tout de suite à la deuxième étape. Hein. Je vais pas vous faire le speech. On est dans la deuxième étape. Où on doit détruire les gros là, pas les chevaliers mais les minotaurettes. Du coup, j'allais rassembler leurs forces.
Gardien à terre. Gardien à terre. Là, du coup, je vais récupérer l'autre boule. Gardien à terre. Ah, je... Gardien à terre. Ah ben, je suis mort. Ok, je me suis fait one shot. Impressionnant. Merci. Non. Non. Non, c'est pas grave. Je pense que le prochain truc on l'a. La forêt infinie est une. On est dans l'étape minage de données. Je détecte ça, c'est une étape assez chiante. Du coup. Mais ce sont mes propres signatures de contournement. Ils utilisent mon cadran solaire pour accéder à la forêt. Ah, merci. Empêcher leur intégration. Bon, après là je suis obligé de vous expliquer comment ça se passe. Bon, après pour les nouveaux c'est simple. Vous avez le boss qui va apparaître. Donc là je vais me faire dans le coin pour les éviter. Si j'avais une boss en fait. Gardien à terre. Gardien à terre. Ah.
Bon, moi je veux cadre truc là parce que du coup. Gardien à terre. On est obligé d'être là. Allez, donc là c'est les fameux vous faites le premier raid, donc c'est les fameux flagellateurs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les flagellateurs. Ah, ils sont pas chiants, mais par contre ils sont pas durs à avoir. C'est juste qu'ils bloquent à chaque coup, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui les débloquent, qui débloquent les zones. Donc là on avance déjà comme pas mal au niveau du minage de nous. Ça va, on est pas complémentaire, mais ça va. Gardien à terre. Je trouve que ça roule. C'est une équipe qui roule. Gardien à terre. Oula, là par contre c'est compliqué. Ouais, il y a un gros là. Oula, c'est chaud là. Faut vraiment que tu fasses gaffe parce que du coup là c'est plus de deux là. Pas mal tapé dedans. Hein. Bon, après, il y a quand même eu des battes. Mais sinon, ça va. C'est pas la mort de l'âme, comme on dit. Gardien à terre. Là, par exemple, si tu tues pas le boss, là, on va pas monter trop. Légion rouge avait réussi, cette ligne temporelle serait l'origine d'un monde façonné par les cabales. Une guerre perpétuelle. Bon, on va se retrouver à la prochaine étape. Aucune cité en sécurité. Je pense que ça va aller assez vite, que du coup. Rien à faire revivre, rien à reconstruire. Gardien à terre. C'est bon. Ah, il nous fait revenir la préservation de leurs armées dans cette réalité. Leur communication ne mentionne jamais Gaulle. Les flagellateurs ont effectivement essayé de gagner la guerre rouge, mais aussi de supplanter les dirigeants de la Légion. Un indestructible et deux Dredgen, en comptant moi. En incluant votre très cher Yoda. Tout, gardien, absolument tout. Gardien à terre. Bah ouais, il faut les chiffrer, ça sert à rien. Gardien à terre.
J'ai eu trop peur que vous n'avez pas le monde. Waouh, putain. One shot de commandant, putain. C'est impressionnant. Très honnêtement, ça m'a pas un petit peu compliqué de ça. Je suis plus vraiment dans une belle équipe, une belle collision. Le tour est joué. Putain, il m'a jeté. Salut. C'est pas le moment de se marcher, les gars. Là, je pense qu'on est plutôt là, là. De l'avoir. Merci. Ah ouais, il y en a un peu qui sont morts en plus. Ah putain. Le problème c'est que ouais, il y a beaucoup de fois où l'outil est mieux. Mais... je comprends pas, je vais mettre. Il n'a pas réanimé en fait les autres. Bon, pas grave. S'il tient encore 3 secondes, c'est bien bien. Voilà. Donc les étapes, je sais pas du tout ce que c'est. Un endroit dangereux. Mais pour moi, ça a été un lieu d'apprentissage, une bibliothèque. Alors... je n'étais pas prêt à vouloir protéger un lieu si brutal. La tête. Ruine du diable. Donc on devrait parler à 114. Donc du coup, on se retrouve à 114. Donc là, voilà, chez Tonton 114 pour la tête. Je pense pour la deuxième étape. Ah, mon ami, quelle histoire avez-vous à partager? Cette auteur, ça part de l'armature d'armes. Elle la tient comme il s'agissait d'un objet précieux. Il voit l'armature, rassemblée. Vous menez cette bataille, les gardiens et personne. Seule lumière, si vous pouviez la réparer cette arme, nous récupérions un morceau important de notre histoire. Un symbole, rôle des gardiens, observe l'armature dans vos mains pensives. Vous pourrez peut-être trouver des matériaux capables de lui rendre son lustre d'antan. Dans les ruines des trous du crépuscule. J'ai entendu certaines rumeurs. Vous avez des amitiés mission douteuses. Terminée dans la ZDE. Soyez prudent. Alors, du coup, voilà. Je me trompe toujours de bouton. Donc du coup, alors, ZDE. Ok, donc là, il y a deux trucs. Votre lumière est puissante. Riche de récompenses. Vous m'enseignerez peut-être de nouveaux tours un jour. Retournez un jour, vous enseignerez mes anciens tours. T'as l'air pas fermé sa gueule, sérieux. Donc là, je pense qu'il y aura peut-être que des étapes. Je suis pas sûr, mais... on verra bien. On verra bien.
Donc là, comme vous avez vu précédemment, donc là on a fait la première étape qui consistait à terminer juste le cadran solaire en mode épique. Donc c'est tout ce qui concernait. Parce que sur la toute première vidéo que j'ai faite, elle disait qu'il fallait tuer des bloqueurs ou ce genre de choses. Mais en fin de compte, bah, pas du tout, vu que maintenant on n'en a pas besoin. Donc là j'ai pris le Bienvenue à la trouée du crépuscule. Le lieu où l'humanité a bien failli disparaître. Gardien, il n'y a pas de partie de l'épreuve de prévu à la trouée aujourd'hui. Osiris, comment saviez-vous que nous étions ici? J'ai vu le gardien arriver. Tu l'espionnes? J'observe tous les gardiens importants. Bah là, je crois que tu nous dis. Ouais, c'est ça. On va regarder. Donc on doit trouver. On va faire zone par zone. Hein. Du coup, il faut juste que j'enlève le truc là de gyrophare, parce que ça me casse les couilles. Donc là, on va faire zone par zone. On va déjà faire le spawn. Donc là, juste le spawn d'en face. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que... Donc, hop. Donc là, ça c'est bon. Donc le deuxième est bon. Là il n'y a rien. Oh bah il y a quelque chose. Non. Il n'y a rien. Donc là j'en vois rien encore. C'est bon. C'est ici que la bataille contre les déchus s'est déroulée. Elle a rendu les titans célèbres. Mais c'est pas bon. En bien. Tu dis ça comme si les chasseurs et les arcanistes étaient restés assis à regarder. Osiris, quitte cette communication. J'essaie de montrer aux gardiens quelque chose de très important. Essaie de me virer pour voir. Tu n'y survivrais pas. Mais tu m'as bien fait rire. Tu peux rester. En fait, j'étais en train de parler. En fait. Donc là, on a le cinquième. Là, je vais passer par là. On va regarder par là. Là je peux pas par contre vous faire des cartes et vous montrer les emplacements. Ça je peux pas faire. Je suis pas encore très fort au niveau de ça donc. Ouais, je prends des excuses. Donc là on est déjà au sixième. Les légendaires Galahorn ont été fabriqués à partir des armures des gardiens qui sont morts ici. Mort pour de bon. Chacun d'eux. Ce qui s'est produit ici n'était pas de votre faute, ni de la mienne. Sans l'ultime offensive de Shax, nous aurions perdu. Avec Nkeshi, Abdi et Trous, Liu Feng, Anna, ils croyaient tous en lui. Il est plus borné que vous. Je ne l'ai jamais vu abandonner. Jamais. Ah, il m'a beaucoup appris. Donc là, il n'y a rien. Donc là, 7. Je suis pas sûr, mais je pense que je suis passé partout. Là. Donc là, du coup, il va falloir qu'on regarde un peu plus en hauteur. Bah là de toute façon on peut pas aller plus haut. Donc là, très honnêtement, je ne sais pas. Ah j'en ai vu un. Je crois que j'en ai vu un. Ouais je pensais qu'il était là mais en fait non. Il est là. Hop. On va encore regarder. Voilà, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Ah, l'étape est pas chiante, mais par contre, il faut les trouver, quoi. C'est ça, en fait. Bah, il m'en manque plus de deux, mais... Je sais pas du tout où ils sont.
C'est très chiant. Bon, moi, en plus, ça me dérange pas de chercher, mais ça, c'est chiant quand je trouve pas. Bon, là, y a rien. Bon, ben, je pense qu'au niveau du bas, là, j'ai tout fait complet, je pense. Ouais. C'est très embêtant. Bon, du coup, on va se retrouver dès que j'ai fini. Alors le dernier, c'était trop compliqué. J'aurais même pas vu en fait. J'ai fait 6 fois le tour et ça m'a donné de trouver là. Qu'est-ce que c'est que ça? Gardien, aucune partie n'est autorisée à la trouée du crépuscule en ce moment. C'est exactement ce que j'ai dit. Osiris Shax, le seigneur de guerre, en chair et en os. 114? Je croyais que tu étais mort. Mon frère, je t'ai toujours détesté. Il risque de se chamailler pendant un moment, gardien. N'hésitez pas à visiter l'univers. Shax, l'épreuve. Qu'en as-tu fait? Je suis sûr que vous avez d'autres choses à faire que d'écouter ça. Ce n'est pas la même épreuve que celle qui nous a forgés. Ça m'a pris des années. Mais la trouée du crépuscule a tout changé. Après ce jour-là, l'épreuve n'était plus un lieu où nous réglions nos différences, mais un lieu où nous tentions de nous améliorer. J'ai entendu dire que tu donnais des armes géniales à tes combattants. Ces armes doivent être gagnées, à la sueur de leur front. Es-tu certain que tes combattants s'améliorent, ou est-ce qu'ils pourchassent du matériel? Écoute, même les gardiens méritent salaire de temps en temps. Dit comme ça, j'ai l'impression d'entendre le gars triste et seul qui vit en bas. Le vagabond? Il faut rester proche de ses ennemis, non? Surveille-le pour nous. J'étais étonné de revoir Eris Morn. C'est plus la même. Elle représente le meilleur d'entre nous. Sans spectre. Et pourtant plus forte que toi et moi ensemble. On devrait peut-être lui offrir une arme plus grosse. Comme ça, elle aurait pas à transporter son caillou partout. En parlant d'armes, parle-moi un peu de ces armes que tu as créées, vu que je n'ai pas le droit de les obtenir. J'ai entendu que tu en avais fait pour le jeune Redrix. La clé mort de Redrix. Broadsword. Peu importe. Il y avait un revolver aussi. Tu en as fait un pour Joseph. Hurlement de Luna. Oui. Luna a été son chien. Elle est morte sur la lune, en combattant la ruche. Ces barbares. Je suis content que vous ayez tué leur roi. Est-ce que tes questions mènent quelque part, Saint? Oui. Le long fusil que tu as conçu. Le révocateur. Quelle est son histoire? Et que fait-il? Il tire des balles, Saint. C'est un fusil. Hein? Tout ce travail que tu as accompli. La cité est superbe. La tour est géniale. Tout ce que j'ai fait n'est rien comparé à ce que notre gardien a réussi. Je t'ai toujours dit qu'il reviendrait pour nous sauver. Je vois que tu portes toujours ton chapeau en aluminium. Le gardien t'a sauvé grâce à de la technologie Vex. Ce n'est pas un sauveur divin. Ha! Tu veux parier? Ah, tu ne changes pas. Tu me dois toujours des loumens. Pour ma défense, tu étais mort. Et je ne gagne pas beaucoup en tant que responsable de l'épreuve. Lorsque je traverse les rues de la cité, les enfants me demandent de les porter. Je le fais. Mais je leur demande de me chanter une chanson. Une chanson de leur peuple? Non, je refuse. Dans ce cas, tu peux me payer. La parole d'un titan est un reflet de sa bonté. Mais je ne connais aucune chanson.
Tu n'as qu'à en inventer une. Ah, voyons voir. Eris fredonnait quelque chose sur la Lune. Comment c'était déjà ? Je suis sur la Lune. Elle est faite de fromage. Oh, non. Ah, c'est affreux. N'importe quoi. Bon, bah du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Destiny ou sur Wolfenstein. Allez, sur ce, je vous dis à la poche pleine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et aussi pour le test du nouveau fusil, du nouveau pistolet. Donc en PVP, compète, forcément, PVP normal et en Gambit. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Une expertise, c'est ça. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, on est en train de tester le nouveau pistolet. Ruine du diable, donc en PVP. Voilà, c'est ça. Donc, on va tester, voir comment il est. Puis, chacun de notre côté, puis on verra bien. Donc là, on est en duo. L'ennemi s'est emparé de la zone B. Bon, c'est déjà sur B. Ok. Alors. Ouais, j'ai allez. Pas mal de dégâts. J'ai pas mal de dégâts. Ouais, moi j'ai pas réussi à en tuer. Il faut le charger. Ouais, c'est mais... ça. Quand je le charge, tu instant kill le mec presque. Ah, ouais, mais. Ah, ouais, quand même. Donc en fait, c'est une arme qui se charge. Donc tu tires en même temps. Oh non, elle est lourde. Mort. Vous pouvez faire normal. À vous de voir. Ouais, après, il faut voir au niveau des balles. Quand tu tires normalement, comment ça peut faire. La zone B. Vous avez capturé la zone B. Parce que je crois que le plus puissant, il me semble que c'est le l'as de pique, il me semble. Moi, je serais plutôt préféré un chardon, mais chacun a ses goûts. Bah après dans ce là, moi ce que je trouve un peu nul c'est que tu l'as en deux étapes. C'est ça que je trouve un peu nul quand même. Ils ont pu la faire en un peu plus d'étapes et plus dur. Oui. Après je la trouve vraiment pas folle du tout. Bah après on peut faire des combos avec révocateur, je sais pas. Bah là pour l'instant moi j'ai pas encore réussi à tuer quelqu'un avec. Je me fais plus souvent voler des kills qu'autre chose, mais c'est pas grave. Lol. Oh non, pas du tout forte. En vrai, pas assez. Moi, ça va. Ça va. Mais j'arrive pas à voir combien de dégâts elle fait, c'est ça qui m'énerve. C'est, j'ai pas le temps de tirer. Elle fait 22 dans le body et une trentaine dans la tête. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas ouf non plus, quoi. Zone B, après, faut. C'est ça, en fait, faut la tester dans plusieurs modes. Moi, je vais encore la tester en. En comment ça s'appelle ? En Gambit. Ah, j'ai enfin fait la kill. Ouais, j'ai eu 26 là. Ouais, à peu près 26 en corps à corps. Ah, du mal, dans le corps. Ça va. Après ouais c'est pas une arme de foufou mais ça va. Ouais. Ouais. T'as plus PVE toi. Non j'ai beaucoup de PVP mais là j'en fais vachement souvent. Là j'ai fait deux vidéos sur la bannière de fer de la saison précédente là. Ben, de l'année dernière plutôt. Ouais. J'ai fait deux réas. Oh, non, j'ai fait 3 réas en l'espace d'une semaine. Zone A perdu. En même temps, je faisais que de la bannière. Donc, ça a duré assez vite. Et en survie. Non, 3 snipers.
Alors, en compète, pour l'instant, j'ai pas fait de rien encore. Vous avez l'avantage de zone. Donc là, à ce moment, je suis en train de jouer sur d'autres jeux. Bah, sur un autre jeu. Lequel? Sur Wolfenstein Youngblood. Je suis en train de jouer à celui-là pour l'instant. Il est bien? Il y a quand même certaines choses qui sont bien. Bon, après, il y a des défauts, hein. Après, bah, là, tu vas dans live et vidéo, il y a déjà deux vidéos là-dessus. J'ai tourné déjà pour 4 épisodes total. Donc là, pour l'instant, il y a déjà jusqu'à l'épisode 4. Après, pour encore que je continue. Là. Mais je pense que ces prochains jours, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Puis, du coup, je... Pourquoi? Bah, j'ai des travaux chez moi à la maison à faire. Donc, 5 minutes. Ça va être peut-être un petit peu de temps. Donc on verra bien. Oh, en gros c'est un mini cristal de Prométhée quoi. Bon, pour moi c'est vraiment stylé. Mais c'est vrai que par contre t'as presque instant. Ça c'est bien ça. Donc je pense que c'est future arme cancer. Ça va être ça, je le sens. Ça va être une future arme cancer ça. Bon. Merci, je vais tuer. Ah, tu sais, hein, c'est comme la Jotun hein, au tout début quand elle est sortie. Hein. Oh là, il y a tout le monde qui l'a joué en PVP en plus. Bah, même encore maintenant. Hein. Bon, là, c'est plus le Seigneur des Loups, mais. Zone A perdue. Zone B capturée. Vous avez l'avantage de zone. Zone C perdue. Zone A capturée. Votre équipe a l'avantage de... J'ai oublié de me créer l'autre là. Ah, c'est quand même chiant de faire des kilomètres. Continuez comme ça pour atteindre la victoire. C'est ça que j'ai dit, c'est une arme qui va être cancer, ouais, je pense. Comme tu ouais. Dis. Zone A perdue. Zone C capturée. Bon, franchement, elle est bien, ça, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. T'as pas le temps, en fait, de charger l'arme. Donc, en gros, faut limite que tu joues comme bah, si tu joues une arme normale, quoi. Un revolver normal. Je sais pas, c'est peut-être que comme ça, t'auras peut-être à faire des kills, mais. Parce que là, ils jouent tous au sniper, en fait. Ils jouent tous au snipe et tu peux pas. Tu peux rien faire. Ah, pardon. Non, tu peux rien faire, c'est ça en fait, t'es nul. Ah, oh, voilà. Ouais. C'est la seule comédie. Les mecs, ils ont des snipers, je les connais même pas, quoi. René, la seule comédie. Okay. C'est le sniper du Léviathan. Non, bon, je sais pas. Il y a beaucoup d'armes que j'ai pas du Léviathan en plus. Puis de toute façon, même, je cherche même pas à faire les raids. Vous avez capturé la zone A. Vous avez l'avantage de zone. Non, mais sérieux quoi. Une tactique intelligente est souvent synonyme de victoire. Ouais. Bon, ben. Franchement, c'est pas une arme que je conseille pour le PVP. Hein. Je sais pas si en Gambit elle serait utile, mais quoi que. Ouais, faut voir. Ouais, franchement, en PVP elle est pas foufou. Hein. Waouh, 0,31. J'ai jamais fait un ratio aussi merdique. Mmh.